bien sûr, avec plaisir. Donc, je suis pasteur depuis 2002 et j'ai travaillé avant de venir en Belgique en Fédération France Nord. Et j'ai été appelé à travailler en Belgique depuis 2015. Sinon, je suis marié, trois enfants, très heureux en Belgique. Alors depuis 2015, la rencontre s'appelle Clé et c'est la rencontre annuelle de rentrée des animateurs. C'est toujours le premier week-end de septembre. Ça devait être aussi cette année, mais vu les circonstances, on a dû l'annuler et reporter tout ça l'année prochaine. Donc on va trouver un autre moyen de communiquer avec les animateurs, sûrement sous forme de vidéo. Et bah, c'est l'équivalent de Réa en France et de l'Arifa. C'est une rencontre à la fois d'information. C'est une rencontre pour poser les bases d'une nouvelle année, c'est se retrouver pour avoir un temps ensemble de réjouissance aussi, parce que les animateurs se voient pas forcément pendant l'année. C'est le moment de se retrouver, c'est des moments très chouettes. Oui, donc elle a presque 3000 membres, et dont à peu près un tiers, donc 1000, sont soit des jeunes, soit des personnes qui travaillent pour les jeunes. En adhérant vraiment des associations, puisqu'il y en a deux, une francophone, une néerlandophone. Le total de ces deux-là fait à peu près 700 membres. Là-dedans, on compte non seulement les enfants, les jeunes, mais aussi bien sûr les animateurs qui sont avec eux. Donc c'est une fédération qui est pas très grande, mais qui est très dynamique, qui a à peu près donc un tiers qui représente la partie francophone de la Belgique. Un autre tiers, la partie néerlandophone, ce qu'on appelle la Flandre. Et puis le troisième tiers, ce sont des églises de différentes origines qui sont là, hispaniques, lusophones, roumaines. Et puis bien sûr le Luxembourg, qui a aussi donc deux églises là-bas, dont une qui est lusophone. Ensemble, tout est bilingue là-bas. Les camps, tout est traduit. Chaque document qui est produit doit l'être dans les deux langues. Difficulté du Luxembourg, c'est que c'est pas forcément toujours les mêmes calendriers avec la Belgique. Le thème, c'est grandeur nature. Alors, ne me le demande pas en néerlandais, mais en français. Grandeur nature, voilà, c'est un petit jeu de mots en français, hein, parce que grandeur nature, c'est voilà, la taille originale. Mais en même temps, bien sûr, le thème, c'est autour de la nature. Comme la jeunesse, c'est nature, service, témoignage. Hein, ces trois mots qui définissent ce qu'on vit. Eh bien, cette année, on a voulu accentuer sur la nature. Le projet était même de planter un arbre durant notre rencontre de rentrée. On va trouver d'autres moyens de faire ça, de vivre ça. Les idées ne manquent pas. Maintenant, ce qu'on attend, c'est que les troupes puissent réellement reprendre leurs activités. C'est là notre plus grand défi pour l'instant. Alors, l'année 2021 va être marquée par plusieurs nouveautés, et notamment les camps. Qui ont déjà. Et c'est le grand retour en 2021 des camps, ce qu'on appelle le camp Carnaval. Carnaval, c'est les vacances d'hiver, c'est-à-dire les vacances de février. Et donc, c'est une semaine de vacances en Belgique. Et puis, une autre nouveauté, c'est pour l'été prochain, lancer un camp pour les compagnons, dans la deuxième quinzaine de juillet, sur 10 jours, puisque on continue à former nos animateurs et on a un partenariat avec les protestants qui sont habilités à délivrer des brevets officiels. Et ce partenariat va jouer à 100% l'année prochaine. J'aimerais nous souhaiter déjà beaucoup de patience, beaucoup de courage pour la période qu'on traverse là. Je ne doute pas que les choses puissent un jour évoluer dans le bon sens pour qu'on puisse reprendre. Bah, tous les projets dont on a parlé là, hein, sont des projets qui sont sur le papier et qu'on aimerait vraiment vivre. On a hâte aussi de se retrouver notamment à Impact, parce que là, c'est le mélange à la fois des Français, des Belges, des Luxembourgeois et des Suisses. Et ça nous manque. Je nous souhaite à tous de la patience et voilà, les jours meilleurs vont arriver, je n'en doute pas.